एक रकम एस पंपा ये हैस का आर निकूच ऐसा निकूच ये कुछ भी से तो कुछ नहीं से ऐसा नहीं Il ajoute quoi? X là déteste les pompes, la lettre C comme C. X déteste la lettre C. C'est impoli, c'est un impoli. Il dit non. Voilà, c'est non, je refuse. Et il s'oppose à qui? En disant comme ça, il s'oppose à quoi? À X. Voilà X. Voilà le C. Voilà, C opposé, C à l'envers. Pas comme ça. C s'oppose à X. Donc, il se déteste à C. Il déteste C. Déteste. Ainsi, il se prononce pour ça. Qu'est-ce qu'il aime? Il aime le C qui se prononce sort. Mais le C qui se prononce corps, c'est-à-dire un C où il n'a pas la C dit en bas, il se le déteste. Il aime pas corps. Et c'est le C qui se prononce sort là, et ça qui est K. Un K. Comme au début du cours de calcul, je vais expliquer quoi? C'est l'air qui se prononce de la même manière, c'est K. Car le son c'est quoi? C'est capu. Car le son c'est lui. C'est lui toujours. Lui fait une la scène. Là tu la scène en bas. C'est ainsi que quoi? Il sert la fonction. Un cadre de l'alphabet. Il est passé de voir un cadre comme quoi? Comme 13 plus 11. À la position 13 de l'alphabet c'est M. À la position 11 de l'alphabet c'est K. C'est-à-dire que quoi? X, M, K. Et puis, il déteste, ça c'est le problème de C, il déteste C. Ça c'est ceci-là, c'est le problème de C. C'est-à-dire qu'il s'oppose à C, il déteste X, il aime K, il déteste C. Donc, c'est là que je rappelle, de quoi? Sache que quoi? X déteste C. C'est-à-dire, il se déteste, c'est qu'il dit non. Non. Il se déteste ça. Non, je refuse, il se déteste ça. C'est comme ça. Non. X, Dieu, lui dit en même temps qu'on nous dit que quoi? Par son messager, parce qu'il est au cou, qui est mort de tâteau de tort, il dit que quoi? Choisis. Ça laisse à qui, à partir de son dessin, par exemple, il dit, choisis X. Et attention, il s'est détesté. C'est-à-dire, quoi, il dit passer, il fait passer. Ne tentez pas. C'est-à-dire, il ne dit pas non. Ne refuse pas. C'est ton meilleur conseil. C'est ton conseil. Fais comme ça. Et Mathieu Kéoukou ajoute que quoi? Ce X là, on dirait bien sûr à qui ce X là, n'est-il pas là, il n'a pas de X. L'inconnu, l'auteur du miroir, avec quoi j'ajoute, allons-y. Là, X, c'est lui l'unique qui sachez que anglais et français c'est langue voisine, hein? Je vais faire un petit cours sur ça et